Bonjour, c'est moi Banu. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour essayer Oriza, parce que là, la 2.07, elle vient de se terminer. Donc la 2.07, évidemment, je sous-entends la mise à jour, hein. Donc normalement, il devrait y avoir Oriza. Oui, nouveau héros Oriza, c'est bon, parfait. Découvrez Oriza, un robot qui utilise un dispositif de protection pour défendre les innocents et son canon à fusion pour s'attaquer à ses ennemis. Oh, c'est un peu comme Pharah, elle dit qu'il faut protéger les innocents. Oh, c'est cool. Bon, par contre, cette fois, on va faire le contraire que pour son bras. Ben voilà, j'ai 0 sur 55 du coup. Son bras, je l'avais d'abord essayé, puis j'ai pris les éléments. Et là, je vais d'abord mettre les éléments et après l'essayer. Ah, carrément, elle a 4 jambes, Oriza. Waouh. Son arme est stylée. Bon, moi je vais me prendre un légendaire, hein, vu que j'avais économisé exprès. Pouah, ça c'est trop beau. Ça aussi j'aime bien. Ça aussi. Ça aussi. Pouah, là c'est magnifique. Franchement, protectrice c'est magnifique. Fibre de carbone aussi. Pouah, allez. Franchement. Megazuma, j'aime vraiment aussi. Dynast, un peu moins. C'est celui que j'aime le moins. Ouf, vous savez quoi? Je vais me prendre fibre de carbone, il est magnifique. Voilà. Ah oui. Les émotions quoi? Bon, celle-là, elle est un peu nulle. Pas mal. Oh, celle-là, elle est stylée. Non, je vais me prendre celle-là. Célébration, bah classique c'est ça, stylé. Bah halte là, j'en profite. Heureusement que j'avais économisé, hein, j'ai Je bien ne fait. fais qu'obéir à mes programmes. Ouais, bon ça on le fera après. Bon là évidemment je vais mettre autre chose. Voyons voir. Faut m'acheter un tac de Orisa vite fait. Oh le mignon. Oh, qu'il est stylé celui-là. Fabrication, gardienne. Ah, je sais pas trop. Bon, tant pis pour le moment, non. Entrée en scène, voyons voir. Bon, classique, ok, c'est juste ça. Oh, ça c'est stylé. J'aime bien. Oh, ça aussi, mais je vais prendre. Oh, comme ça, elle est stylée. Parfait! Maintenant que. Bah, du coup, je suis plus à 0, là, je suis à 4, voilà. Maintenant que j'ai personnalisé Oriza, je vais faire une partie. Ouais, je peux faire direct partie contre Leia, sinon c'est mieux. Ah oui, mais non, mais après, je peux pas personnaliser. Je vais créer une partie contre une IA, donc du coup, je vais mettre le salon seulement 1v1. Comme ça, je vais essayer contre une IA, je vais mettre les capacités en illimité. Non, c'est dans héros. Général, voilà. Du coup, je vais mettre que pour moi, hein, parce que j'ai pas envie que Léa, parce que j'ai pas envie que Léa ait les capacités en illimité. Bah, l'ulti aussi, je vais le mettre le plus rapidement possible pour voir ce que c'est son ulti. Parce que franchement, je sais rien du tout de Oriza, donc je vais la découvrir là maintenant en live. Donc les cartes, je vais laisser Eschenwald comme pour son bras, parce que c'est ma map préférée, donc autant en profiter. Hein. Alors, voilà, c'est bon. Maintenant, ajoutons une IA. Donc, nombre 1, équipe 2, Anna. Ok, let's go. J'ai vraiment hâte d'essayer Oriza. On va voir si c'est En un route tank vers plutôt offensif ou Eschenwald. défensif. À mon avis, de là, de ce que j'ai pu voir, vu qu'elle protège les gens, c'est peut-être plutôt défensif comme tank. Mais on va voir. Préparez vos Ah voilà, c'est défis. un tank, c'est parfait. Choisissez votre héros. Oh, stylé. Faudrait quand même que je vois comment est écrit Oriza avec... Là, la fille qui l'a créée, je connais pas du tout son histoire. Faudra que je me renseigne après. Alors, déjà, combien elle a de PV? Votre sécurité 400. est ma principale préoccupation. Bah, j'ai que ça, du coup, j'ai même pas pris le temps de modifier de tag.
Ok, donc elle a 150 balles en chargeur, mais quand elle tire, elle se déplace plus lentement. Un peu à la manière de Diva, sauf qu'elle s'est limitée. La 400 PV comme Zarya. Oh, ça doit aspirer les gens, ça c'est trop cool. Ah, oh, c'est un bouclier de 900 PV. Et pas un bouclier complet en fait. Ah, c'est juste comme ça. Ah ouais, moi je peux pas tirer, je peux pas tirer dessus en fait, je peux pas endommager. Priorisation des systèmes de défense. Bon, je sais pas vraiment ce que ça fait ça. Ce qui est bien, c'est que je peux quand même tirer dans cette compétence. À mon avis, je dois tout simplement subir moins de dégâts. Du coup, les mots, je vais faire. Ouais, bien. 3, 2, 1. Les attaquants approchent. Défendez l'objectif A. Est-ce qu'elle a un passif quand même? J'ai pas vu. Après, je regarderai sa capacité. Genre. Non, elle saute tout simplement. Je verrai quand même ce qu'elle a en passif. Ou alors. Rizana. Ah là, voilà. Elle fait pas très mal. Ah ouais, je subis beaucoup moins de dégâts avec cette capacité. Ah, j'ai déjà l'ulti. Je sais pas du tout ce que c'est comme ulti. Je vais l'essayer à côté de Anna si c'est un ulti qui tue. Le truc, c'est que vu que c'est comme Diva, après, il faut bien vraiment essayer de se rapprocher le plus possible de l'ennemi quand même pour tirer. Voilà, comme ça, genre ne pas perdre de vue. Ah ouais, ça aspire. Bon, tant pis. Essayons l'ulti. C'est toute résistance. Ah, mais ça fait juste plus de dégâts. C'est juste ça, son ulti. Waouh, c'est un peu nul. Bon. Franchement, je trouve que c'est un peu nul hein, comme ulti, ils auraient pu faire mieux. Après, en partie, c'est cool, surtout s'il y a Ange en plus, ça fait vraiment beaucoup plus de dégâts à l'équipe, mais bon. J'aurais préféré qu'ils mettent autre chose, par exemple un ulti de soin, ça aurait quand même déjà été mieux. D'où tu t'en vas, Anna? Comme in. Attendez, j'ai une idée. J'essaie d'attirer Anna progressivement dans le vide. Mais viens là, Anna. On sent. Ah, je prends cher quand même, hein. Donc c'est quoi, ça va pas le faire. Bon, ça m'énerve un peu. Voilà. Donc il va falloir que je réessaye. Parce qu'à mon avis, ça doit être faisable. Hein. C'est une bonne portée ce truc hein. Ok. Viens là, Anna. Ah mais ça tire carrément les chaises quoi. En allant, Anna elle est en train de se faire bloquer là. Et pourquoi ça prend pas dans les escaliers? C'est ça que j'aurais pas comprendre. Bon, je vais tout simplement la tirer. Ah mais non, elle va faire l'objectif, c'est ça le problème. Bon, ça doit quand même être faisable de réussir à pousser quelqu'un dans le vide grâce à Oriza, mais bon. Le problème, c'est que là, vu que c'est une IA... Et après elle va vers l'objectif, donc il faudra que j'essaye avec un de mes amis de le pousser dans le vide.
Je vais peut-être pousser les chaises. Allez, tombez. En tout cas, c'est faisable. C'est un peu comme l'arbre à graviton de Zarya, donc c'est faisable. Non. Ah, mais le bouclier, ça le met comme ça devant. Ah, c'est pas très utile, quoi. Faut vraiment se mettre dans un coin de camp et puis faire comme ça au pire. Bah, je vais en mettre un ici de bouclier, ça va être bien. Franchement, sa capacité de L2, je trouve qu'elle est très utile. R1, un peu moins, et L1 aussi. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle a quand même 3 capacités, hein. C'est un avantage. Dans une partie, quand même, avoir 3 capacités, c'est plutôt cool. Ah, on voit même pas sa main, vu que je suis tout seul. Bon, bah, c'est forcément moi. Bon, bah, ok, Orisa, très bon perso. Ce qui est bien, c'est que c'est un tank, du coup, elle a 400 PV, ça fait plaisir à un nouveau tank. Enfin, c'était juste ça, l'action de la partie. Ok, elle est un peu nulle. Bon, du coup, je suis très content de Orisa. La 3 capacités, bon, son ulti est un peu nul et... Mais bon, au moins c'est utile pour les alliés, mais bon, pas vraiment pour faire des éliminations, dommage. Mais au moins, elle peut subir moins de dégâts, donc c'est très utile aussi. Mettre un bouclier, bon, ça, ça l'est un peu moins, surtout que Reinhardt, ça a 2000 PV en plus. Et Winston, ça, je crois, 600, mais c'est tout... Enfin, c'est un cercle, en fait, donc c'est mieux. Et après, sa capacité de L2, c'est un peu comme l'arbre à graviton de Zarya, mais en moins puissant, sinon ce sera vraiment abusé, hein. Bon, bah voilà, très bon perso. Après, seul défaut, vu que c'est un tank, évidemment, il se déplace un peu lentement, mais c'est pas grave. Bon, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis au revoir à la prochaine vidéo. Même Rezel vous le dit. Allez, ciao. Ah, ça me fait rire, cette entrée en scène.